Et salut à toutes et à tous, c'est Zoavix. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur le jeu Rust, qui est un jeu survival horror qui reprend un peu les bases de Minecraft, donc le crafting, la construction de maisons, et aussi qui reprend DayZ, WarZ, enfin tous les jeux de survival horror, donc qui comprend le PvP, le player vs zombie, comme tous les jeux de zombies. Et donc ça, on va le découvrir tout au long du let's play. Qu'est-ce qu'il a de bien par rapport aux autres jeux? Mais n'oubliez pas aussi qu'il est en alpha. Alors vous pouvez vous le procurer à 18,50 euros. Voilà. Mais à 20 dollars au Canada, en Angleterre, etc. Enfin, tout ce qui concerne le dollar. Et donc voilà. Donc là, on va le commencer tout de suite. Donc on va aller dans un serveur. On va essayer d'avoir un bon ping, quoi, sinon on va laguer un peu. Alors, 74. J'avais vu un serveur. Anglais. Ouais, j'avais vu un bon serveur là. Un bon, très 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 bon 56. The Jester Test Server. Strongly Sleeper PvP. Moi je voudrais un assez bon English Speaking Only. Ouais, Only German or English. Ok. Il n'y aurait pas un serveur PvP s'il vous plaît? Un serveur français. Parce que voilà, on est des Français nous. Spirit. Bon, bah, on va aller dans lui. Il a l'air d'avoir un bon ping et. Ouais, il m'a l'air sympa. Donc, vous allez voir que dans ce jeu, en fait, vous aurez. Comment dire? Vous aurez peur de mourir. Enfin, voilà, parce qu'en fait, si vous mourrez, je crois que vous perdez tout. À part si vous le rangez dans votre maison. Donc, vous allez voir qu'on peut se construire une base où on pourra placer tous nos items dans un coffre, etc. Mais je vous le dis tout de suite, je n'ai jamais joué à ce jeu. Ça va être ma toute première fois que je vais jouer. Et donc, on allait découvrir tout ça en même temps. Oh, par contre, il fait nuit. Ou jour. Ouais, ok. Pourquoi pas. Ok, on prend ça. Ok, en fait, je vais vous expliquer un peu en même temps que je joue. Donc, d'après les vidéos que j'ai regardées, vous prenez une sorte de rocher, voilà, et vous pouvez détruire tout ce que vous voulez. Donc par exemple pour tuer des animaux, ah oui, parce que vu que ça reprend un peu les bases de Minecraft, vous devrez tuer des animaux pour récupérer du food, ce qui se trouve en bas à droite de la vidéo. Les food, c'est ce qui vous sert pour marcher, pour courir, etc. Et sans ça, ben je crois que vous mourrez, enfin, j'en sais rien du tout. Donc nous allons voir tout de suite, pas tout de suite, au fil du let's play. J'espère que ce jeu va me plaire beaucoup. Parce que rien qu'en regardant les vidéos sur YouTube des autres du jeu, ça m'a beaucoup plu. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai acheté. D'ailleurs, merci à Ikiliu pour m'avoir donné l'envie d'y jouer. Parce qu'il n'y arrêtait pas de faire des vidéos de présentation. Enfin, ça faisait quand même un bon moment qu'il en avait fait des vidéos sur ce jeu. Ah merde. Ouais, there's no wood left here. Ok, là j'ai 13 bois. Donc en fait, je pense que à chaque arbre, il y a 13 planches de bois. Ouais, de wood. Que vous pouvez récupérer. Donc le wood, c'est pour faire des planches de bois, comme dans Minecraft. Enfin, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais je pense que c'est ça. Hop. Ok, quelqu'un a rejoint le salon. I love patatos. Ok. On a pu gather one wood. Encore, je veux plein de bois. Voilà, il n'y a plus de bois dans ce truc. Donc j'avais un peu raison. Donc c'est 13 bois par arbre. Donc on va en récupérer le maximum tant qu'il fait jour. Parce que là, comme vous pouvez le voir, il est 9h43. Oh, un Bambi. Ok, je pense qu'il faut que je m'approche doucement. En fait, il faut bien que je le tue. Oh, j'ai stress. J'ai cru que c'était un joueur, mais non.
C'est bien le Bambi. Enfin, le cerf. Viens par ici! Ya! J'ai besoin de bouffer! Ok. Je crois qu'on peut le tuer un maximum 3 coups. Ouais, y a un feu de camp là-bas. Ok, on va s'approcher tout doucement. Viens par là! Je ne te veux pas de mal, je veux juste te triper complètement la gorge et te manger. Viens par là, petit petit. What? C'est quoi ce bug? Ok, c'est bon, on l'a tué. Achète together. Ah mais ils sont sérieux? Achète together. Ok. Donc hop, on va prendre le truc. Achète. Achète, je crois que je l'avais vu ici. Non. Stone, achète. Achète, 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 achète. Comment on a des achètes? Ah voilà. Il me faut métal fragment. Comment on a des métal fragments? Ouais. Bon. Bon bah c'est pas grave tant qu'on a récupéré. Ah ouais mais non, du coup je pourrais pas manger donc ça sert à rien. Bon bah. Hop, attends, par contre je vais voir comment baisser le son du jeu. Ok voilà. Voilà. Hop. Par contre, je vous dis, le bruit de fond, ça c'est pas moi, c'est le jeu. Donc, je m'excuse si vous avez un peu mal aux oreilles. Hop. Attendez, tout à l'heure, j'avais vu un truc, c'est Wood. Wood barricade, non. Campfire, hop. Wood shelter. Ouais, voilà, je crois que c'était ça, c'était pour faire... une mini cabane, juste le temps de débuter, je vais m'en faire une. Donc là, il me faut 50 bois. Donc faut que je fasse gaffe aussi aux gens ben, du serveur parce qu'ils pourraient m'attraper d'un coup direct et me tuer parce que vu que ils jouent plus longtemps que moi, du coup, ils pourraient me tuer facilement parce que on peut trouver aussi des armes comme des M4, etc. C'est un truc de malade. Vous allez voir. Je récupère un max de bois. Bon. Pour le... Ok, on va s'éloigner. Sinon, on va se faire kill. Donc, comme vous pouvez le voir, ce mec là-bas, c'est un joueur. Enfin, on dirait plutôt un clochard, mais... Oh, ok. C'est pas ça qui nous apporte. Attendez, ça c'est quoi? Qui c'est? Qui c'est? What? Un cochon? What? Achète le gazer. Je gaz. Oh! 7 wood! Ah ouais, quand même! Ah ouais, je récupère en masse là! Waouh, regardez, regardez. Bim. 118. Pourquoi je ne l'avais pas trouvé juste avant? Ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps. Ok, bah c'est super ça. Bon, allez, on va construire un peu notre maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas? Je pense que oui, vu qu'on avait vu quelqu'un juste au campement. Je vais m'approcher tout doucement pour voir s'il y a une personne... Est-ce que je peux détruire? Non, je peux pas. Faut pas qu'on se fasse repérer, sinon ce serait ballot. Je crois que j'ai entendu le mec. Ok, laisse tomber. Ça marche pas.
Oula, faut pas se faire capter. Je vais le faire un peu plus loin qu'ici. Ouais, disons que je vais le faire ici. Ça va être chaud par contre d'habiter en coloc avec le mec là-bas. J'ai pas envie d'être son voisin, sinon je sais qu'il va me tuer. Ok. Alors, crafting. Wood. Non. Wood. Storage box. Door. Shelter. Craft. Faut attendre. Ouais, faut attendre, faut attendre. Par contre, je sais pas ce qu'il faut attendre du tout. Pourquoi il y a un compte à rebours? Bon, bah, on va attendre que ça nous crafte le truc, je pense. Voilà. Ok, voilà, c'est bon. 4, 4. Et ben voilà, c'est ce que je disais. On peut le placer à notre guise. Donc je vais le placer ici, voilà. Par contre, est-ce que je peux faire une porte pour pas que les gens y rentrent? Workbench. Stone hatchet. No, it's in description of the lab. Stone hatchet. Fournace. Torche, locality metal. Wood planks. À quoi ça va me servir? Handmade shell. Oh, ça, je sais pas du tout à quoi ça sert. Armor parts. Wood pillar. Foundation. Wood planks. Ça, c'est pas des wood planks. Ah, bah non, justement. Wood plank. On va en crafter. Craft. Ok, là, j'en ai qu'une. Donc, je vais need. Je vais prendre tous mes 77, hop. Voilà. Ok, j'en ai 8. Et avec 8 wood plank, qu'est-ce que je peux faire? Je peux fabriquer une wood foundation. Place this on the ground. You can this, then place other components on top of it. Wood wall, wood doorway, window, stairs, ramp, ceiling. Must be placed on foundation, keep us placing. Must be placed. Ok, donc on va en crafter un. Ah, par contre, ça va prendre 60 secondes. Non, c'est long. Ok. Tant qu'on se fait pas repérer par le mec qui se trouvait juste à droite de nous, on est tranquille, pépère. Dommage que ce jeu, en fait, j'ai capté, il n'utilise pas son propre moteur graphique. Il utilise. Est-ce que vous voyez, comment dire, le moteur graphique de Slender, etc. Même quand vous le démarrez, ça fait un truc avec. Ou même vous choisissez Fantastique, Faster, Windowed, etc. Et ben ça utilise ça, donc. Ça veut dire qu'il n'utilise pas. Enfin, il n'est pas libre de tout ce qu'il veut. Et du coup, ça. Il y a certains bugs que ça fait un peu chier. Heureusement que j'ai installé les tout nouveaux drivers de ma carte graphique, sinon ça aurait bugué comme un porc. Vous verrez plein de. Enfin, des genres de lignes tout dégueulasses, ça serait hyper moche. Mais enfin, bref. Ok, 4. Ça, c'est quoi? Oh, j'espère. Ok. On va le placer, genre, ici. Voilà. Ok, mais ça sert à quoi? Hop, pillard. Must be placed on the foundation. Keep a speaking of wall between this. Ah merde. C'est combien pour fabriquer des wood planks? 10. Ok, bon, ben, on va aller prendre du bois. Par contre, si je trouve la pile de bois qu'on avait vu tout à l'heure, ça nous aurait avancé un peu plus vite. Ok. Hop, wood plank, pool plank.
Voilà, craft. Ah ouais, mais du coup, on en a qu'une. Ah d'accord. Bon ben. Bon bah on va aller rechercher les trucs. Sont bien marrants les sœurs, mais moi je veux plutôt une pile de bois. Où on peut trouver des piles de bois? Sachant qu'on doit pas se faire repérer par l'homme là-bas, ça va être un peu difficile. Bon. On va prendre des piles de bois comme ça alors. Ça va être très 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 long. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, pour l'instant, vous pouvez pas voir les zombies parce que bah, sûrement qu'ils se trouvent dans les endroits, enfin pas dans les forêts. Mais tout à l'heure, j'en avais vu un. Enfin, c'était envahi de zombies, je sais pas pourquoi. Et je m'avais fait tuer en 2 secondes. Hop. Ah merde, le soleil commence à se coucher. Ça, c'est mauvais signe. Ok. What the fuck? Ok, on se barre, 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 on se barre. Merde, 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 merde! J'ai pas envie de me faire tuer. Putain, j'ai pas envie de me faire tuer maintenant. J'espère qu'ils tireraient pas sur nous. Sinon, ce serait dommage. J'espère qu'il nous a pas vus. Ok, on va se planquer ici. Fuck. Wood plank. Craft 2. Hop. Ok, donc là j'en ai 3. Ok. Falloir faire plus grand que ça si on veut se fabriquer une petite maison. Ok, on va prendre l'arbre là-bas. Pour pas se rapprocher du mec au flingue. Sinon on va se faire tuer directement. Et ça serait ballot pour nous. Surtout, je sais pas si on respawn directement dans notre maison. Parce que du coup, je crois pas qu'il y a de slash 7 hommes ou quelque chose comme ça. Mais j'en sais rien. Faudrait que je m'en renseigne avant que je joue à un jeu. Serait la moindre des choses. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Pour l'épisode 2, je vais un peu me renseigner. Genre pour les crafts, etc. Comme ça, on va avancer beaucoup plus vite. Même. Enfin. Voilà quoi, vous m'avez compris. Alors. Oh merde, c'est la nuit. J'espère qu'il n'y... Ah si si si. Je pense que c'est la nuit qu'il y a des zombies. Hop. Je vous fais se grouiller pour faire notre maison, sinon on est dans la merde. Hop, allez, allez, allez. Putain, en fait, il faut 80 bois pour se faire une... Enfin, 8 planches. Oh merde, la nuit commence à tomber. J'ai peur de la nuit, j'ai peur du noir. Des loups-garous et tout. Je suis dans l'arbre. Et ouais, en plus, c'est vrai, je suis dans l'arbre. Vous voyez, c'est si ils utiliseraient pas le moteur graphique Unity Web Player, enfin, je pense que ça s'appelle comme ça, et ben ça aurait pas fait ce genre de bug. Du coup, c'est un peu dommage, ils gâchent tout. Mais bon, je pense que. Enfin, voilà quoi. Ah merde, pourquoi je continue à taper l'arbre alors que j'avais plus. Enfin, ça marchait plus quoi. Merde, j'ai bientôt plus de bouffe. Je sais même pas comment on fait pour gagner de la bouffe. Allez, 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 vite, 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 vite. À chaque coup, ça nous bouffe 3. Bah bouffe. Ouais, ça nous...
Ouais, c'est un peu chiant. Oh merde, la nuit, c'est bon, elle est tombée complètement. Attends. Un pote qui me dit GTS, mais je suis en pleine vidéo, tu sais. Et merde. Bon, je vais lui dire que je suis en vidéo. Voilà. Alors, maintenant que c'est la nuit et qu'on a plus de bouffe, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, je sais pas. Alors. Class, a type of resource. Split, ça veut dire quoi split? Ah. Ok. Ouais, enfin, c'était useless. Alors, wood plank, hop, craft. Comment se fabrique de la nourriture? Personne le sait, bien sûr. Bah oui, bah merci, hein. Je pense que c'est avec la hachette. No item description. Ok. C'est chiant que c'est en alpha, parce que déjà que c'est en anglais, et en plus il n'y a pas de description. Alors, stone hachette. Donc, hachette normale. Déjà de la stone. Comment on a de la stone? Ça serait ma première question, ça. Wood pia. Must be placed on foundation. Keep a spacing of two build wall between the death. Ouais, enfin, j'ai pas compris. Comment dire qu'on est dans la merde? On est dans la merde? Ok, on va prendre notre lampe torche. Mais c'est un peu risqué. On va se faire repérer par le mec. Et du coup, ça va pas le faire. J'espère juste qu'il va pas venir et que c'est un friendly, lui. Ok, il y a un Jean là-bas. Enfin. Un genre, un cerf plutôt. Est-ce que. Non. Je vais. Hop. Je vais enlever ma torche. Et je vais tuer ce méchant cerf. Donne-moi de la bouffe. Reviens, Bambi! Viens. Je vais juste te fracasser le crâne avec cette roche. Bim! En fait, le gars il nous voit pas, mais quand on voit qu'il nous frappe, eh ben il nous défonce notre gueule. Enfin, il court. Il nous défonce pas notre gueule. Non, reviens! Viens par ici, j'ai besoin de ta bouffe, je vais crever de faim, s'il te plaît! Allez, viens. Hop. Bim, un rocher dans ton as! Ah, ok, fallait faire comme ça. Animal fat. Too close. One raw chicken breast. One animal fat. Quatre close. Oh, en fait, on peut ramasser beaucoup de trucs dans un cerf. Bah, je vais les tuer lui. Mais je pense que c'est comme dans Minecraft, on peut cuire la viande de cerf, de cochon d'Inde, etc. pour nous rapporter plus de viande. Ok, viens par ici. Chuchu. Viens par ici. Bim. Mais je ne te veux pas de mal. Eh bah, t'en cours pas très loin. Viens, petite sœur. Bim! Mange-toi ça dans l'anus! Non, reviens! Je t'aime, moi! Et bim! Dans les mamelles! Oui! De close. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Mais ça doit servir à quelque chose. De raw chicken, ok. Super. Et c'est là qu'on se fait tuer par le mec. Là, on l'a bien profondément. Bon, allez, on revient dans notre maison. Et si on peut appeler ça une maison, parce que voilà quoi. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur?
Allez, ouvre-toi! Ah non, j'ai cru ça sur mon inventaire. Mais allez! Bon, ça veut pas s'ouvrir, brin. Hop. Je crois que je suis perdu. Ça doit être ma maison. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut placer une lampe torche? Non, on peut pas. Ok, on peut pas. Hop. 80 calories moins 10 health. Non mais c'est sérieux là. Bon bah hit. Ah ça fait chier. Ah c'était quoi ça? C'est quoi ce bordel? Pourquoi je suis en train de mourir? Ah! Mais c'est... What? Je suis en train de mourir. Ah, je suis empoisonné. Use. Quoi, attends, j'ai plus de food. Mais je vais mourir. Attends, mais c'est une blague. Non, je veux pas mourir. Putain. Oh bah je vais crever en silence alors. Ça fait très 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 chier. Ouais ben on est dans la merde. Ah! Craft. Vite 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 avant que je meure, vite grouille. Ok les classes ça sert à faire des bandages. Ok mais moi je voudrais bien un truc pour contre l'empoisonnement, voilà. Sinon on est un peu dans la merde. Ok. Use. Ah c'est bon, je suis plus empoisonné. Ah super. Ouais par contre, ouais. Pip shotgun. Ah mais c'est que je suis empoisonné. Hatchet. Putain, merde. Il me faut un fournace. Comment on a un fournace, bordel? Fournace. Fournace, stone. Il me faut de la stone, du low grade fuel. Comment on a du low grade fuel? Eh ben, je peux. Il m'en faut combien, du coup? Il m'en faut 10. Bande de bâtards. Putain, je suis un peu dans la merde, moi. This is a food item. Eating will save some of your gun. Eat. Bah, je vais crever. Non, 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 non. Ah, mais non. Camp respawn. Ah, mais t'es sérieux? Je sais même pas où j'ai respawn. En plus, j'ai perdu tous mes trucs, je suis dégoûté, quoi. Plus... Oh! Ah bah, ça c'est super pour débuter. Ok, c'est ici. Hop. Par contre, je vois rien du tout, du coup, c'est tout en noir. Et là, faudrait éviter de tomber empoisonné et de économiser notre bouffe, sinon on va crever très 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 vite. En plus, faut se faire des habits pour pas mourir de froid. Ah ouais, super. C'est vraiment réaliste quoi. Ok, heureusement que j'ai une lampe de poche. Enfin, plutôt un bout de bois enflammé, voilà. Est-ce qu'on peut détruire ça? Ah ouais, on peut le détruire. Deux sulfures or. Deux stone. Ah, oh, c'est comme ça qu'on a de la stone. Metal or, metal or. Eh ben, c'est super tout ça. Eh ben, j'apprends à découvrir le jeu, c'est super.
Au moins pour le pro, enfin pour les prochains épisodes, eh ben, je saurai comment me débrouiller. Comme un grand. Hop. Oh, c'est bon, on va se refaire vite fait ce qu'on a perdu. Donc on retrouve plein de bois et maintenant on sait comment fabriquer de la stone. Et je vais essayer de me fabriquer un fournace. Hatchet together. Voilà. Et bah c'est pas mal tout ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec de la metal ore? Workbench. Ok, donc pour faire un fournace, il nous faut de la stone et du low grade fuel. Pour faire du low grade fuel, il nous faut du animal fat. Elle est gros. Ah bah, on va aller tuer le cochon d'âne là. Cochon d'âne. Je sais pas pourquoi les sangliers, je les appelle tous les cochons d'âne. Je sais pas comment j'arrive à confondre les deux. Oh merde, merde! Il y a un ours! Il y a même deux ours là-bas. Donc on va éviter de les approcher. Sinon, bah on est un peu dans la merde parce que les ours, je pense que ça fait très mal. Par rapport aux sangliers, eux... Je me fais courser par un ours! Au secours! Ah! Mon dieu! Ah! Pédobier, il veut me tuer! Au secours! J'espère qu'il nous a lâché. Est-ce qu'il nous a lâché? Je vais pas me retourner. Je ne veux pas me retourner. J'aime pas les ours. Pédobier? Tu es là? Non? Ça va. Oh putain de merde! Ah! Pédobier, il est relâ! Avant que c'est son cousin Wata! Oh merde! Oh putain de merde! Ouah! C'est quoi ça? Attends, attends, j'avais. Merde, 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 merde. C'est quoi ça? Une ville? Putain, merde, j'ai encore l'ours. Hey guys, you can friendly with me? Oh no, it's zombie! Ah! Ah merde, maintenant je me fais courser par un zombie! Mais what the fuck? Je vais mourir! C'est la fin de mes jours! Au revoir! Oh putain, je suis dans la merde! D'abord c'était un ours et maintenant des zombies! Oh putain de merde! Bon, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Bah, ça ressemble à un être humain. Sauf que, ben, il court vite et il nous course! Oh putain de merde. Et ça se trouve que la nuit, je pense. Au milieu d'après-midi, enfin je sais pas en fait. Mais bon, je préfère courir. Oh putain, dégage. Ah, je vais user toute ma boue, du coup faudrait que je tue un petit cerf ou quelque chose comme ça. Mais surtout pas un ours. Oh merde. C'est quoi, c'est une rivière? J'espère que ça cherche les zombies. Oh putain, deuxième zombie. Mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que... Wads. Wads. Ça veut dire quoi, Wads? C'est des radiations, c'est ça? Ah. Je crois que c'est ça, c'est des radiations. Ils nous courent toujours les zombies ou pas? Bon, qu'est-ce qui se trouve là pour faire autant de lumière? Ouais, c'est ce que je me disais. Là, il y a des radiations, je pense. Peut-être... Ah oui, bah oui. Le logo de Rust, c'est... What? Ah! Oh putain, je me dis bien. Non, je pense que les radiations, en fait, il y a plus de zombies que autre chose. Du coup, je vais essayer de m'éloigner d'ici. Et sans plus attendre. Toujours rêvé de dire ça. Et merde. Ok, en fait, les zones où il y a le plus de radiation, c'est les zones où il y a le plus de zombies, logiquement. Du coup, je vais essayer de m'éloigner au plus vite, le plus vite d'ici. Comme ça, et ben, je vais éviter de mourir. Ok, donc, vaut mieux pas faire ma maison ici, en fait.
Super, je n'ai plus de torches. C'est tout ce qui me manquait. Merde, je suis dans la merde. Oh, quelque chose là-bas. Il faut s'éloigner le plus vite possible du RADS, donc radiation. Sinon on va crever. Oh putain, un ours. Oh non, Pédobir, il nous a poursuivi. Je sais pas comment il nous a vu. Bon, on va détruire juste la stone ici, après on va se barrer d'ici. Sinon Pédobir, il va nous courser. Hop, stone. 3 sulfures or, super, super. It's so cool. Non, franchement, ce jeu il est superbe. Il y a tout pour se faire flipper. Il y a même des pédobires en option. Non, sérieusement, il est bien. Franchement, je vous le conseille de l'acheter. Pas forcément maintenant, vu qu'il est en alpha. Si vous voulez pas vous procurer quelques bugs. Mais bon, ouais, c'était juste un cerf. Mais bon, franchement, il est bien. Donc, il mélange un peu Minecraft. Si vous aimez Minecraft, prenez-le. Si vous aimez aussi les survival horror en même temps. Oh, super. Le soleil il se lève. Ouais, donc franchement, prenez-le. Il est vraiment pas mal. Moi, il m'a tout de suite charmé, on va dire. Il m'a tout de suite séduit, ce jeu. Parce que j'aime tout ce qui est Minecraft, DayZ. Ah, voilà. Tout ce qui est. Tout où tu dois construire, survivre, etc. Ça te met dans l'ambiance. Là, j'étais en train de flipper pour pas mourir. Et ben. En même temps, je me suis fait courser par un zombie, un pédobir. Et encore un autre zombie, et encore un autre pédobir. Ok, ah super, en fait on a. Je viens juste de capter qu'on a trouvé une pile de bois. Du coup on devrait être. On ne devrait pas être à court de bois justement. Là j'en ai, ouais, j'en ai quand même 240, c'est énorme. Mais bon, je pense que les autres en ont beaucoup plus que moi. Vu leur stuff. Hop, hatch it together. En fait, j'ai pas compris ce que ça veut dire hatch it together. Vu que là, j'achète pas, j'ai une pierre. Ok, c'est bon. Ok, on a 250. 250 bois. Ok. Ouais. Ouais, on n'a pas construit notre maison, mais c'est pas grave. Donc, je vais vous le dire à la prochaine, les amis. J'espère qu'on se retrouvera pour l'épisode 2. Pour l'instant, ce jeu, il me donne beaucoup d'impression. Enfin. Il est pas mal, franchement il est pas mal. Il va en donner, ça c'est sûr. Il va être du lourd. N'empêche, ça doit être super avec l'Oculus Rift. Vous imaginez? Enfin, pour ceux qui connaissent pas l'Oculus Rift, donc c'est un genre de casque, ouais. Tu le mets sur toi et tu t'es dans le jeu, mais sans forcément ressentir les trucs. Donc tu peux juste voir ce qu'il y a dans le jeu. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Enfin, moi je pense que je vais me l'acheter très prochainement parce que c'est un truc de dingue. J'ai toujours rêvé d'en avoir un. Et donc voilà. Enfin bref, c'est pas ça qui nous intéresse. Ouais, donc je disais, ouais, franchement, il est bien. Et j'espère que ce let's play vous plaira. Ainsi que cet épisode, vous pouvez toujours liker la vidéo, la partager, laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Et donc voilà. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye!